Not sure I need to introduce Didier Deschamps. So we will start directly with questions. Yeah, in the middle here. Second row. No, second row. Here. Go down. Thank you. Go ahead, in the middle. Oui, pour Dominique. Non. Here we go, thank you. Bonjour Didier, Dominique Sarek, Le Parisien. Comment allez-vous, vous, et comment vont les Bleus, ceux qui sont touchés par le virus, et à quel point ça a perturbé votre préparation? Merci de prendre soin de moi, je vais bien. En ce qui concerne les joueurs, écoutez, je suis parti assez tôt ce matin, donc ils étaient tous en train de dormir, donc je n'ai pas les dernières infos. On fait en sorte de gérer au mieux dans la tranquillité par rapport aux différentes situations qui ne sont pas similaires. Mais il y aura des données aujourd'hui, évidemment, j'en aurai ce soir et puis jusqu'à demain pour faire en sorte d'être prêt pour ce grand match qui nous attend. Bonjour Didier, Vincent Duluc à L'Équipe. Depuis le début du rassemblement, il vous est arrivé beaucoup de choses avec les blessés. Aujourd'hui, c'est les malades. Il y a aussi l'idée que le monde entier, à peu près, souhaite le sacre de Messi. Est-ce que vous avez l'impression, parfois, d'être un peu seul au monde et les seuls à vouloir gagner ? Seul au monde. Je suis souvent seul, oui. Mais bon, je suis très bien quand je suis seul. Après, c'est des... Il y a des impondérables, il y a des situations avec le maître mot, c'est s'adapter. Voilà, aujourd'hui on est là, on a tout fait pour se retrouver à jouer ce match-là de demain face à l'Argentine, qui, de son côté, mon homologue Lionel Scaloni a dû gérer certaines situations aussi, peut-être différentes, le fait de perdre le premier match face à l'Arabie Saoudite, mais ils sont là. C'est parce que, comme nous... On n'a pas rencontré tous les adversaires, mais les 6 qu'on a rencontrés, on a fait ce qu'il fallait pour se donner rendez-vous demain. Donc je n'ai pas d'inquiétude, de stress. L'important, c'est, en préparant un tel match, c'est garder la sérénité et évidemment, une finale, quelle qu'elle soit, une finale de Coupe du Monde encore plus, il y a le match, il y a aussi... Le contexte qui est particulier, mais avec l'objectif, évidemment, quand il y a une finale, c'est d'aller chercher un titre en plus. Mais je sais que les Argentins, Messi, tout le peuple, peut-être certains Français aussi, souhaiteraient que... Mais on n'est pas franchement d'accord avec ça, donc on va tout faire pour obtenir ce qu'on veut. Bonjour Didier, sur ta gauche, Nicolas Georgerot, RTL. Dans le passé, tu nous avais déjà dit que sur l'Euro 2016, l'approche dans les dernières heures n'avait pas toujours été bonne, mais que sur la Coupe du Monde 2018, en revanche, c'était beaucoup mieux. Est-ce que tu sens dans le discours que voilà, il faut apporter quelque chose d'autre pour cette finale demain, et notamment auprès des plus jeunes joueurs? Je viens de le dire, le contexte d'une finale est toujours particulier parce qu'il y a un côté émotionnel qui peut être différent selon les joueurs. Après, je vous ai peut-être dit oui sur 2016 parce que c'est lié au résultat aussi. Et 2018, ça s'est mieux passé. C'est vrai que les joueurs qui étaient là et qui ont vécu ça, quand c'est la première finale pour un joueur... Mais il y a moins de repères. Quand on a l'opportunité ou le privilège d'en jouer plusieurs, ça aide forcément, ce qui ne veut pas dire parce que c'est la première, ça peut ne pas bien se passer, mais il y a une gestion des émotions qui est importante forcément. Donc par rapport à ça, oui, mon discours ou les échanges que je peux avoir avec... l'ensemble des joueurs, forcément, ils ne sont pas identiques avec chacun d'entre eux. Bonjour Didier. Sur votre gauche, Louis Vix, Info Sport Plus Canal. Je suis là.
Quel regard vous portez sur l'évolution de l'équipe argentine depuis le match il y a 4 ans à Kazan et sur son parcours dans cette Coupe du Monde? Merci. Je crois, si je ne m'abuse, il doit y avoir 7 joueurs qui étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui. Quoi. Donc, c'est vraiment pas la même équipe. Donc, je ne vais pas comparer. Ça ne sert à rien. C'est pas du tout le même. C'était un huitième de finale. Il n'y avait pas les mêmes joueurs. En revanche, évidemment, les 6 matchs qu'ils ont joués avec des systèmes différents, des joueurs différents, c'est quelque chose qui nous sert. En plus, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons 3 observateurs avec José Alcocer, Jean-Luc Vanucci et Lionel Rouxel qui ont vu tous les matchs. Donc évidemment, ça nous permet d'avoir des informations bien précises, même si l'Argentine peut faire quelque chose de différent demain, comme nous aussi. Voilà, on n'est jamais. Je prends l'exemple du Maroc en demi-finale, qui a commencé le match avec une défense à 5. Elle ne l'avait pas fait avant, donc il faut être prêt à toutes les situations. Bonjour, bonjour Didier. Didier. Arile Sulsada, TV de Norvège, ici. Ici, je suis là. Bonjour. Kylian Mbappé parle très très peu aux médias depuis le début de cette compétition. Comment jugez-vous sa stratégie et comment jugez-vous son état d'esprit depuis le début de la compétition? Merci. Écoutez, il parle, quand il a parlé, il parle. Il a eu à parler à certains moments. Après, Kylian a besoin de tranquillité, de sérénité. Lui, ce qui l'intéresse, il est focalisé sur le terrain et ce qu'il doit faire sur le terrain. Donc, il est dans un excellent état d'esprit avant la Coupe du Monde et depuis qu'il est avec le groupe, depuis le premier jour. Donc, j'ai aucune envie de perturber sa tranquillité, son état d'esprit. Et évidemment, il est focus, comme l'ensemble du groupe, sur le match de demain. Bonjour Didier, Antoine Maignan pour l'AFP, ici. Je reviens sur le virus. Quelles précautions concrètement vous prenez au quotidien? Et est-ce qu'il n'y a pas cette crainte que d'autres joueurs soient touchés et que ça vienne gâcher totalement cette finale de Coupe du Monde? Je ne veux pas rentrer dans le détail. Je sais que c'est un sujet qui certainement vous intéresse. Je le comprends. On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec, sans tomber dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, c'est évidemment une situation, si elle avait pu ne pas exister, c'était mieux, mais bon, on gère au mieux. Avec le staff médical, bien évidemment. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro, en face. Oui. Dans une interview il y a quelques mois, tu disais que l'idéal, ce serait de rester 10 ans de plus en équipe de France. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et est-ce que la finale, le résultat de la finale, aura une incidence sur ta décision? Merci. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que je vais vous dire? La même chose, c'est que l'équipe de France a toujours été pour moi la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Déjà dans ma première vie de joueur, et j'ai eu le privilège de connaître ça en tant que sélectionneur. Maintenant, ça fait 10 ans, donc c'est vraiment la passion, le très très haut niveau. Donc voilà, je suis bien, même très bien, très heureux d'être dans cette fonction-là. Le plus important, c'est, ça n'a jamais été moi, c'est l'équipe de France. Parce que je considère qu'elle est au-dessus de tout. Je suis à son service depuis 10 ans. Et encore là pour le match qui nous attend demain. Mais je ne fais jamais... ce n'est pas moi le plus important. C'est gentil de penser à moi, mais c'est pas en vous répondant, en ne vous répondant pas, le résultat de demain, c'est pas ça qui compte, j'ai pas ça dans la tête, ni ce qui se passera après. C'est ce que j'ai uniquement dans la tête, c'est le match de demain
et tout faire pour aller chercher un nouveau titre. Hello, Didier. Daniel Mundin from Globo Brazil. I'll ask in English. Are you surprised that Karim Benzema have played friendly on Thursday, and do you count on him to come here and support the group? I know you don't consider him available for the match, but do you count on him to come here to Qatar and support the group, be with the group, and celebrate a possible title, the final? Vous passez le mot entre les journalistes étrangers. Je me suis, si je réponds pas, vous allez dire je suis énervé. C'est un sujet qui me Moi, ce que je vais vous préciser un petit peu, moi j'ai des joueurs qui ont été blessés avant, Karim en fait partie, bien évidemment, depuis le début de la compétition. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez après le premier match. Depuis ce moment-là, j'ai 24 joueurs à gérer. Vous les connaissez, les 24. Donc, voilà. Et de poser la question vis-à-vis de ces joueurs-là, c'est si je peux me permettre, pour le moins maladroit, voire un peu plus. Donc le groupe, il est là. Après, ce qui se passera, je ne m'occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs qui sont là ou des joueurs blessés. Il y en a qui seront là, ils ne seront pas là, je ne sais pas. Mais évidemment qu'on a eu un groupe au départ et qui, de par ce qui s'est passé... On en a perdu trois. Il y a eu Christopher Nkunku qui s'est blessé au tout début. Et dans l'ordre chronologique, Karim et Lucas Hernandez. Donc, ils ont fait partie du début de l'aventure. Mais pour les circonstances que je viens de vous dire, après, il y a eu un groupe de 24. Et c'est les 24 qui seront là demain pour affronter l'Argentine. Je souris au cas où. صباح الخير. صباح الخير. سعيد جود سأسأل باللغة العربية. سعيد جودة من وينوين. كما لاحظنا بأن حجم الجماهير الأرجنتينية المتواجدة خلال المباريات كان الأكبر أو من الأكبر في خلال المونديال. ألا تشعر بأن الجماهير الكثيرة التي ستتواجد غدا بغالبيتها ستشجع المنتخب الأرجنتيني قد تشكل ضغطا على لاعبي فريقك؟ وما هو أكثر ما تخشاه في مباراة الغد كمدرب؟ Bon, je sais pas si la traduction est bonne ou très bonne. J'ai bien conscience que cette équipe d'Argentine a un soutien populaire très important. C'est valable dans toutes les compétitions. Il y a beaucoup de présence, évidemment le stade demain, même s'il y aura des supporters français qui se font entendre aussi, mais la majorité sera évidemment des supporters de l'Argentine, parce qu'ils sont argentins ou peut-être d'autres parce qu'ils aiment l'Argentine, et les joueurs qui jouent avec ce maillot. Je m'attends à une ambiance festive. Le peuple argentin, c'est un peuple de passionnés, évidemment ils sont à fond derrière leur équipe, mais voilà, c'est ça dégage une ambiance de fête positive où ils chantent beaucoup, ils sont très expressifs, donc c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait une telle ambiance pour un tel match, parce que c'est une finale de Coupe du Monde. Après, on va pas, nos adversaires, ils sont pas dans les tribunes, hein. Les seuls adversaires que l'on a, c'est ceux qui seront sur le terrain. Et il y a suffisamment de qualité en face pour se concentrer uniquement là-dessus, avec le même objectif pour les deux équipes, puisqu'il y en aura une des deux qui aura une troisième étoile sur le maillot après le match de demain. Et bien voilà, merci beaucoup. Thank you very much. That was the last one. Thank you very much and good luck for tomorrow.